Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty. Aujourd'hui, on va parler vestes, comment porter une veste et surtout comment réveiller un look des plus simples avec une veste. Alors si ça t'intéresse, ne bouge pas, c'est parti. Alors aujourd'hui, on voulait vous montrer comment avec une base très simple telle que un jean et un t-shirt blanc, et surtout en y associant la veste, on peut avoir un look qui percute, être stylé avec une veste. Donc la base c'est très simple, donc un t-shirt blanc, un jean bleu et un jean noir. La clé de votre look c'est la veste. C'est la veste qui va donner du style à votre tenue. C'est la veste qui va donner le côté mode et le côté tendance. Donc on vous a préparé 6 looks, 6 manières différentes de porter une veste. Premier look, j'ai voulu donner un côté chic et décontracté, quelque chose de plus soirée, donc élégant avec le contraste du noir et blanc. Donc la veste elle est très sobre, très simple mais très élégante. Donc j'ai voulu renforcer le côté soirée avec des derbies, faire un masculin féminin, des super derbies qui sont vraiment très élégantes. Il y a quand même une petite touche mode avec le côté métallisé, voilà, métallisé. Donc c'est vraiment la touche masculin-féminin, le petit côté bling-bling, mais tout en décontraction. C'est vraiment ça que je voulais apporter à ce look. Et je vais y associer une petite minaudière. Elle est vraiment super sympa, oui, très élégante. C'est vraiment ce petit clutch qui va donner voilà, la touche de féminité. Ça renforce vraiment le côté soirée, le côté chic, le côté élégant. Et tout ça grâce à la veste. Oui. Parce que là, si on enlève la veste, le look il est vraiment banal. C'est un t-shirt blanc et un slim noir. Hein, donc, voilà, donc tout le monde a ça dans sa garde-robe. Mais c'est vraiment la veste qui donne le côté chic, le côté élégant, le côté soirée. De par sa couleur, de par sa matière, ce blazer, il est vraiment bien. Donc un blazer, c'est ça qui donne la touche. Quand vous choisissez une veste, il faut vraiment essayer de la prendre en fait de qualité. Donc pour cette petite veste blanche, celle-là, c'est une veste vintage que j'ai chinée dans une boutique vintage. C'est-à-dire qu'elle n'a pas coûté cher, mais on est sur de la qualité. Une belle matière, une belle coupe intemporelle. Donc c'est ça aussi qui donne l'élégance, ouais. Qui donne le style aussi, parce que quand vous prenez une veste, si elle n'est pas de bonne qualité, si elle est mal coupée, voilà, mal coupée, mal taillée, oui, ça va pas vous aider dans votre style. Hein. Et en plus, c'est une veste qui va me durer dans le temps. Quand vous choisissez des vestes de qualité, ça vous dure dans le temps, c'est des intemporelles. Dans 10 ans, je pourrai encore la mettre, elle sera encore là dans ma garde-robe. Pour ce deuxième look, on reste toujours sur une base d'un chic décontracté mais de jour avec cette veste à carreaux. Donc cette veste à carreaux, elle apporte vraiment ce côté chic décontracté parce qu'on est sur du carreau qui donne une allure très british, très élégante, très élégante, très BCBG. Donc c'est ce qui m'a plu dans cette veste. On est sur une très belle matière, c'est de la laine. À l'intérieur, il y a une doublure qui est satinée, donc ça apporte vraiment du confort quand on se glisse dans la veste, c'est super agréable. Super belle. Hein. Voilà, cette veste de premier abord, elle peut paraître très classique, très BCBG, mais on va pouvoir la détourner avec certains accessoires qui vont apporter le côté tendance. J'avais envie d'y associer ce carré de soie que je vais pouvoir mettre autour du cou. Ultra classique, mais après, je décale la tenue avec une paire de derbies. Et voilà. Et cette paire de derbies, tout de suite, ça va me faire entrer dans la modernité, dans le côté tendance. Donc une petite paire de derbies très sympathique. J'y associe cette pochette. Donc ça va donner une touche de modernité et surtout une touche de couleur à ma tenue. Et ça va aussi casser le côté Marie Chantal, le côté premier degré de cette tenue. Donc c'est vraiment important d'avoir des vestes. C'est pour toutes les circonstances, hein, que ce soit pour aller bosser, aller en soirée, à un mariage, une veste, c'est ça qui donne la touche d'élégance en fait. Oui. C'est vraiment la veste qui va structurer une tenue oui. Des plus basiques. C'est une version rock pour aller bosser. Donc j'y associe ce look avec cette magnifique veste rose.
La couleur est super sympa. Cette veste, elle est vraiment très élégante, très originale de par sa couleur. Voilà, j'y associe cette magnifique paire de bottines. Donc bimatière, du cuir et du daim. Et comme vous pouvez le voir, elles sont coupées devant au niveau des orteils. C'est vraiment ça qui va donner la touche un peu glam rock, le côté féminin. Ça va élancer la silhouette, donner du style, donner du cachet à la tenue. Petit heat bag qui ira très très bien avec la tenue. Une base très simple, hein, le t-shirt blanc avec le slim noir. Vous y ajoutez une veste super sympa et la veste qui fait la tenue. Pour ce quatrième look, on est sur une version plutôt chic et urbaine avec cette magnifique veste. On va renforcer le côté élégant de la tenue en y associant un carré de soie. Et ça, c'est vraiment des détails auxquels on ne pense pas souvent. Un style très élégant et très raffiné. Et pour renforcer ce côté urbain, j'associe une pochette gold. Pour finaliser ce look, donc j'y associe cette petite paire de sandales. Donc une jolie paire de sandales piton. Ce look dans la globalité est très classique, mais on l'a modernisé en y apportant une touche de couleur avec le doré de la pochette et les chaussures piton qui renforcent l'élégance et la modernité de ce look. Pour ce cinquième look, on va plutôt être sur une version classique avec cette veste. Sur une veste longue, donc là on est sur du prince de Galles, donc c'est la veste qui est très classique. Mais décalée par sa coupe parce qu'elle est longue et en même temps on est sur une veste sans manches. Le fait que la veste soit sans manches, ça apporte ce côté aussi décontracté. On décale le style avec ses petits talons en liège version années 80, années 70. C'est ça qui va renforcer encore le côté décontracté, le côté chic de la tenue. Alors c'est une tenue que vous pourrez décaler en la portant avec des baskets. Donc on est toujours sur un classique, mais un classique revisité et un classique moderne. Pour ce sixième et dernier look, on est sur une version plutôt chic de soirée avec cette magnifique veste de smoking. Vraiment sur une veste de smoking revisité, donc de par les motifs, parce qu'on est sur des imprimés floraux. Et le fait aussi d'y associer une paire de talons. Donc là, on est vraiment sur du classique. Voilà. On renforce le côté élégant avec cette magnifique pochette. C'est une tenue qui sera vraiment idéale pour aller en soirée, en vernissage, un after work. On peut être bien habillé, mais en même temps aussi décontracté. Donc en résumé les filles, la veste est un élément super important de la garde-robe. C'est vraiment la pièce indispensable à avoir parce qu'elle va avec tout, elle se porte avec tout en toutes circonstances, pour aller bosser, pour aller en soirée, pour aller n'importe où. N'importe où, c'est vraiment la veste qui donne le ton à votre tenue et ça donne du style. Donc la veste est un indispensable et c'est ce qu'on vous a prouvé dans cette vidéo. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Nous, ça nous a plu de créer ces looks pour vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre look préféré. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.